à l'église de Portail, bienvenue. Alors que c'est la rentrée. Vous savez, la rentrée, c'est euh, plusieurs d'entre nous, on retourne à l'église après les vacances. J'espère que vous avez eu des belles vacances. Il y a des gens, c'est l'occasion de recommencer, euh, de marcher avec l'église. Il y en a d'autres, c'est une période de transition où, où vous êtes attaché au Portail. Et ce qu'on aime faire au Portail le mois de septembre, c'est toujours d'enseigner l'ADN de l'église. Donc, trois messages sur les particularités du Portail. Maintenant, je dois dire, quand je parle de particularité, toutes les églises à travers le monde ont le même but. Tu devrais dire Amen. Okay? Parce que ce n'est pas, pas l'église du pasteur, c'est l'église de Jésus. Un autre Amen. Le but de l'église locale, c'est quoi? C'est l'adoration de Dieu, l'édification des chrétiens et l'évangélisation du monde. Ça, c'est vrai pour toutes les églises partout dans le monde, tout le temps. Maintenant, chaque église locale a sa particularité. C'est comme la sauce à spaghetti. Chacun d'entre nous, on a une recette, ça varie, on utilise des épices différentes. Nous, on est très fort sur l'épice Jésus au portail. Euh, on aime ça, un Jésus bien corsé. Euh, on aime ça quand ça pique un peu. Mais en même temps, on a chacun nos recettes, mais une sauce spag, ça reste une sauce pague. Généralement, il y a de la sauce tomate, généralement, il y a des légumes, il y a de la viande, et c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, il y a des particularités. Et au portail... Comment est-ce qu'on manifeste ce but-là d'adorer Dieu, de s'idifier les uns les autres, d'évangéliser le monde? Euh, tu ne sais pas sans savoir qu'on est ce qu'on a qualifié une église christocentrique, c'est-à-dire centrée sur la bonne nouvelle de Jésus. On croit que tout a toujours rapport avec Jésus. Maintenant, ça, c'est la pointe de l'iceberg. Un iceberg, tu as 90% que tu ne vois pas. Et c'est important que tu comprennes qu'il y a beaucoup de choses que tu ne vois pas. Dans les derniers mois, notre équipe a terminé de vraiment travailler. Tu nous as déjà entendu dire que notre prière, c'est d'implanter 10 sites et d'avoir 10 000 disciples. Amen. Tous ensemble. Pour y arriver, notre but, c'est de former dans les 10 prochaines années une centaine de pasteurs. On a besoin de la grâce de Dieu pour ça. Euh, on veut vraiment que tous nos ministères, tout ce qui prend place au portail, nos sites et nos ministères soient alignés avec la vision du portail. Euh, et vous savez, notre bâtiment, là je parle précisément pour l'aval, il euh, y, y a des rénovations, on est en train d'évaluer. Est-ce que notre bâtiment est adéquat pour notre croissance des prochaines années? Dans les dernières semaines, au-delà de 2000 personnes au portail, dont 75 à l'aval, quelqu'un devrait dire gloire à Jésus. Donc, on est là-dedans et l'équipe a dit... Pasteur Gaétan, tu dois mettre par écrit notre vision. C'est-à-dire, il y a une vision qui est là, qu'on communique souvent, et on a besoin de la mettre par écrit pour que ce soit un rappel pour tous nos sites, pour tous nos ministères, partout. C'est quoi la raison d'être du portail? Donc, voici la raison d'être du portail. Et si tu es avec nous depuis quelque temps, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Nous croyons que Jésus bâtit l'Église de portail. Merci, bonne semaine, tout le monde. Ça me suffit. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Nous croyons que Jésus bâtit l'Église de portail. Pourquoi? Pour faire rayonner la bonne nouvelle de la grâce. Pas pour nous faire rayonner nous, la bonne nouvelle de la grâce. Comment? En formant une multitude de disciples de Jésus au Québec. Non seulement on prie pour former des disciples, on veut en former une gang pour la gloire de Dieu. OK, le gang, ce pas spirituel, hein? j'aurais pas dû dire ça. Donc, on veut former une multitude de disciples de Jésus au Québec, parce que le Québec a besoin de Jésus, Amen. afin de devenir une église christocentrique de référence dans la francophonie, et ainsi influencer les chrétiens, les pasteurs, les prédicateurs et les églises à être centrés sur Jésus pour mieux glorifier Dieu. Ça, c'est notre raison d'être. Et pour y arriver, tu as besoin de comprendre une autre particularité du portail. C'est qu'on ne croit pas que le chrétien le dimanche matin à la réunion au culte est un spectateur. Dis à quelqu'un à côté de toi tu n'es pas venu voir un show. Hein? Tu n'es pas venu voir un spectacle avec la bonne musique chrétienne, puis d'avoir un pasteur inspirant qui parle un peu de religion. L'Église n'est pas un spectacle. Est-ce qu'on peut dire Amen à ça? Amen. Tu n'es pas un spectateur. Nous ne croyons pas que le disciple de Jésus se résume à mettre ses fesses sur une chaise pendant une heure et quinze une fois par semaine. Est-ce que j'ai droit à un autre amen C'est pourquoi nous croyons que le chrétien est un catalyseur. Tu dis mais qu'est-ce qu'un catalyseur Un catalyseur, c'est un élément qui provoque une réaction par sa seule présence. Nous croyons que Jésus utilise les croyants pour faire, pour produire un mouvement, une réaction là où il te place. Nous croyons que dans ton travail, tu peux générer par la grâce de Dieu une réaction spirituelle. On croit qu'un chrétien dans une maison peut changer le climat spirituel de sa maison. Et on croit que dans l'église, comme le dimanche matin, tu n'es pas un spectateur. On croit que lorsque tu es ici dans le culte, Dieu t'appelle à participer. Hum, merci pour une personne qui a presque dit Amen. Donc, pour les trois prochaines semaines, on va regarder un texte très simple, mais très puissant, condensé. Colossiens 3, verset 16 à 17. Donc, tu peux ouvrir ta Bible. Si tu n'as pas de Bible, tu peux suivre sur les écrans. Colossiens 3, verset 16 à 17. Je vais parler de trois sujets très spécifiques de l'ADN du portail. Et là, on a, on a vraiment une photo de l'Église primitive. Qu'est-ce que les premiers chrétiens faisaient lorsqu'ils se réunissaient le dimanche? Donc, voici ce que dit la parole de Dieu. Colossiens, c'est dans le Nouveau Testament. Donc, si vous êtes à Colossiens, dites Amen, Amen. Si vous cherchez encore, dites Attends. OK, ne soyez pas gênés, c'est qu'on va vous attendre. Pas longtemps, mais on va vous attendre. Colossiens 3, versets 16 à 17. Écoute ça. Deux petits versets, on va prêcher là-dessus pendant trois semaines. Que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, sous l'inspiration de la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Amen. Un beau texte, un beau passage. Maintenant, ce qu'on voit là-dedans, c'est la louange que nous voulons au portail. Ce matin, j'aimerais m'arrêter. Il y a quelque chose qui est un acquis, qui est implicite. Il y a une particularité au niveau de la louange du portail et j'aimerais ce matin de parler de notre théologie de la louange, de notre philosophie, de pourquoi il y a plein de choses qu'on veut être intentionnel dans la louange et j'aimerais parler de la louange que nous voulons au portail. Est-ce que ça vous va? J'espère, c'est ça le message que j'ai juste pour, pour ce matin. Okay. La première chose que nous savons, que nous réalisons, que nous croyons, c'est que le chrétien n'est pas un thermomètre, mais un thermostat. Le chrétien n'est pas un thermomètre qui prend la, tempé la température spirituelle de son milieu. Le chrétien est un thermostat qui fixe la température spirituelle de son milieu. Nous croyons qu'un chrétien, un membre au portail, lorsque tu es là, lorsque nous sommes réunis, Dieu veut t'utiliser pour fixer, pour élever le niveau spirituel de notre église. Est-ce que des gens qui croient que le niveau spirituel de notre église n'est pas déterminé par le pasteur mais par le peuple de Dieu Amen. Amen. Donc, cette caractéristique de la louange que nous voulons au portail, et comment commence le texte Que la parole du Christ habite en vous avec parcimonie. Excusez-moi. Avec sa richesse, nous croyons et prépare-toi, ça va vraiment te jeter en bas de ta chaise. Nous voulons et nous prions et nous travaillons pour une louange christocentrique. Là, tu dis mais pasteur Guetta, t'es fatiguant avec ça. Oui, mais la Bible est fatigante avec ça. Que la parole du Christ habite en vous, que la parole concernant Jésus soit parmi nous abondamment. En fait, ce que Paul dit, c'est dans tout ce que vous faites et dans vos chants, que vos chants Sois saturé de la bonne nouvelle de Jésus. Ah, c'est ça que tu as besoin, c'est ça que j'ai besoin. Puis ça veut dire quoi, une louange christocentrique? C'est pas juste dire Jésus, Jésus, tu sais, tu peux répéter Jésus, 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 Jésus. <laughs> Puis pas être christocentrique. C'est comprendre quest ce que Jésus change dans nos vies. Exemple. Parce que là, du monde qui me regarde dit Est-ce qu'il va chanter beaucoup ce matin? Non. Imaginons qu'un soir, je quitte l'église, puis il y, y a des bandits, des voleurs qui, qui veulent m'attaquer, puis avec une barre de fer, me casse le genou. Okay? Je me fais casser le genou, je vais voir le docteur, je vais faire opérer, puis le docteur me dit Monsieur Brassard, j'ai une bonne puis j'ai une mauvaise nouvelle pour vous Il dit La bonne nouvelle, c'est que ça va guérir, vous allez marcher, vous allez même pouvoir courir Il dit La mauvaise nouvelle Vous ne pourrez plus faire de patinage artistique. Est-ce que je vais dire, pff, pff, docteur, dis pas ça? Non. Pourquoi? Je vais dire, c'est tout. Ce n'est pas un problème parce que mon espérance n'est pas de faire du patinage artistique. Tu comprends? La réalité, c'est que c'est une mauvaise nouvelle, mais elle est tempérée par le fait que ce n'est pas mon espoir. Quand ton espoir est dans les choses de ce monde et que tu les perds, c'est un drame. Mais quand ton espérance est en Jésus, tu peux être dans l'épreuve, être ici, chanter son nom malgré tout. Parce que ton espérance, elle est ailleurs. Et la parole concernant Christ, c'est chanter notre espérance. Et ça dit qu'elle habite en vous. J'ai déjà parlé souvent, oh, oh, il y a des, toutes sortes de modes. On dit « Seigneur, sois le bienvenu ». Mais tu ne peux pas souhaiter le bienvenu à quelqu'un dans sa propre maison. Ah, C'est comme, j'ai à un événement dernièrement, c'était l'anniversaire de quelqu'un, puis la personne n'était pas là. Puis tout le monde chantait Bonne fête à la personne qui n'était pas là. <laughs> Au portail, nous ne croyons pas que nous chantons à quelqu'un qui n'est pas là. Jésus est présent dans son Église parmi son peuple. Que la parole de Christ habite en vous avec sa richesse. Ça veut dire quoi une louange christocentrique? Ça veut dire, non seulement nous chantons la croix de Jésus, la grâce et le pardon, mais nous prêchons, nous chantons l'ensemble de Jésus. Jésus est non seulement Seigneur, il est aussi Sauveur. J'aurais dû le dire au, à l'inverse. Jésus est non seulement Sauveur, il est aussi Seigneur. Et là, vous dites « Amen ». Ça veut dire quoi que nous, nous chantons Jésus dans toute sa richesse. Ok, imaginons que tu m'invites à manger à la maison après l'église. Puis tu me dis, euh, OK, pasteur, Gaétan peut rentrer, mais moi j'ai de la misère avec brassard. Donc, Gaétan peut rentrer, mais laisse Brassard à la porte. Moi, les brassards, là, je ne veux rien savoir des brassards. Je ne veux rien savoir. Est-ce que c'est possible? Ben, ben, je ne peux, je, je peux pas me séparer, c'est Gaetan, Brassard. Nous ne pouvons pas chanter Jésus sans chanter Christ. On ne peut pas juste chanter Jésus, merci pour ta grâce, sans réaliser qu'il nous demande de le servir totalement. Quelqu'un devrait dire Amen. Et c'est pourquoi nous disons tout a toujours rapport avec Jésus. Dans les chants qu'on choisit, il y a un comité où on fait un effort que ce soit vraiment des chants centrés sur la bonne nouvelle de Jésus. Mais ce n'est pas tout. Que la louange du Christ habite en vous avec sa richesse, par quoi Par des psaumes. Nous croyons que notre louange doit être biblique. Quand on parle des psaumes, les psaumes sont un livre biblique, et c'est une louange avec un contenu biblique. OK, je vais faire une parenthèse parce que des gens m'ont posé des questions là-dessus. Vous savez, on choisit des chants et on analyse chant par chant. Ce n'est pas parce qu'on chante le chant d'une personne ou d'une église qu'on est d'accord avec tout ce que cette église-là peut dire. On fait du chant par chant. Quelquefois, tu vas voir dans les chants, à la fin, tu as les noms. Puis souvent, les gens disent Oui, mais pourquoi vous chantez telle chose, telle chose? On analyse chant par chant. Pourquoi? Il y a plusieurs années, un des plus grands scandales au niveau de la louange qui a eu lieu, c'est que, j'en ai déjà parlé de ça, c'est qu'il y a un homme qui, qui a composé un chant qui s'appelle euh, « Mon guérisseur mm, ».« My healer ». Et cet homme-là, euh, il y avait des concepts dans l'Église, tu le voyais, pas ici, là, mais avec une bombe. Il y avait, il y avait le cancer, le cancer vraiment très, très sérieux. Puis pendant qu'il chantait « Jésus, tu me guéris », il y avait une bonbonne d'oxygène. Puis ça a marqué les chrétiens, ça a été impacté. Puis un bon chant qui élève que Jésus guérit. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Mais ce n'était pas vrai. Non, pas que Jésus guérit. Ce n'est pas vrai qu'il avait le cancer. Ce qui est arrivé, cet homme-là a monté ça de toutes pièces. La vraie histoire est encore pire. C'est quelqu'un qui avait une très lourde dépendance à la pornographie, à un point tel qu'il manquait le travail. Puis maintenant, pour, ce, pour camoufler le fait qu'il manquait le travail à sa femme, puis à l'église, il, il s'est inventé un cancer. Puis il a poussé ça tellement loin qu'il a composé un chant. Puis encore plus loin, il chantait avec une bonbonne. Un, un niveau de perversion incroyable. On est, on, on est d'accord, là. Mais la réalité, c'est que quand tu regardes le chant, le chant déclare que Jésus est guérisseur, et même si l'homme est pécheur, Jésus demeure encore Seigneur. Et moi, il m'est arrivé d'aller dans des églises où les églises n'étaient pas du tout, tout conscientes de l'histoire. Puis je voyais des gens pleurer, puis chanter. Moi, j'avais de la misère. Mais qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que la parole de Dieu est plus grande que le péché des hommes. Quand on regarde les chants, quelquefois, on regarde, et on se dit est-ce que ce chant-là est vraiment biblique? C'est la question qu'on se pose. Et la Bible dit non seulement. Vous voyez, chanter avec des psaumes, mais pourquoi les psaumes sont... Avez-vous remarqué que les psaumes sont, sont vraiment sont réconfortants pour le cœur du croyant? Ah, Les psaumes, il y a quelque chose... Dans... Et dès les premiers chrétiens ont chanté les psaumes. Pourquoi? C'est Tremper Longman, un spécialiste de l'Ancien Testament, dans son commentaire sur les psaumes, qui dit, Les psaumes nous donnent de l'information, éveillent nos émotions et nous incitent à l'action. Une louange biblique est toujours une louange qui nous donne de l'information, est une louange qui éveille nos émotions et qui nous incite à l'action. Lorsqu'on chante le dimanche matin, ce que nous voulons, nous voulons te communiquer de l'information, nous voulons éveiller tes émotions et te pousser à l'action. Moi, je trouvais ça très bon. OK. <laughs> Premièrement, la louange communique de l'information. Est-ce que tu savais que probablement que ta théologie vient presque autant de la louange que de la prédication de ton pasteur? Donc, c'est important que tu écoutes des bonnes affaires. Exemple, okay, pour illustrer mon propos. Quelle est la neuvième lettre de l'alphabet? Il okay, y a un débat. Maintenant, tu sais qu ce qui s'est passé dans ta tête? Tu as fait A, B, C, D, E. Qui a fait se Lève la main. Voilà. La louange, elle est puissante parce qu'elle te communique la parole de Dieu. Quelqu'un devrait dire, « Amen à ça. » Mais c'est pas tout. La louange qu'on veut porter, c'est non seulement chanter des chants qui remplissent notre tête, mais qui remplissent notre cœur. Est-ce que tu as remarqué comment la musique stimule aussi nos émotions? Cette semaine, peut-être tu l'as entendu dans les médias, on a annoncé la mort du fondateur de la compagnie créole. Il y a des, monde, des gens qui sont, « Oh, je viens de l'apprendre. » Pardonne-moi, j'aurais dû te préparer un peu plus. là. Euh, C'est une triste nouvelle, mais ce qu'on fait généralement, on dit à la radio OK, on annonce son décès, puis après ça, on met ça fait rire les oiseaux, nanana. Puis tout le monde sourit alors comme ils nous annoncer un décès. Pourquoi Parce que la musique communique une émotion. C'est pourquoi, des fois, il y a des gens, tu es triste dans l'épreuve, mais tu arrives dans la maison de Dieu, puis il y a un chant qui génère en toi la joie de ton salut, et tu souris malgré tout. Alléluia. Et, et, et quelquefois, les chants aussi suscitent d'autres émotions. On le voit dans les psaumes, quelquefois la joie, quelquefois la tristesse. Moi, ma grand-mère, j'ai une jeune de mes grand-mères qui est décédée aujourd'hui, qui était une femme qui n'était pas très émotive. Et les seules fois que je l'ai vue pleurer dans sa vie, c'est lorsqu'elle entendait une chanson, une vieille chanson, qui lui rappelait son mari qui était décédé. Qui est décédé, d'ailleurs, mon grand-père est décédé le même jour que moi je suis né. Même hôpital. Pas le même étage. Fin de la parenthèse. Et ma grand-mère, il y avait un chat, là, là, il y a des les, les vieux là. Je ne devrais pas dire comme ça, là. Les, les. plus vieux d'entre nous. Fernand Gignac. Le temps qu'il nous reste. Qui connaît ça? Levez la main. OK. Les jeunes, va écouter ça sur Spotify. Tu vas être béni. Tu vas être bini. OK. <laughs> Fernand Gignac, là, tu vas voir, c'est comme tu es un influenceur TikTok, OK? Euh... Puis, puis le temps qu'il nous reste, dès les premières notes, ça la faisait pleurer. Vous savez, quelquefois, non seulement on veut une louange qui nous communique la joie de notre salut, mais la Bible parle de la tristesse qui nous amène à la repentance. On veut également une louange qui est solennelle, qui nous fait réaliser que quelquefois nous avons péché, nous sommes détournés de Dieu, et on veut revenir et on doit revenir à Dieu dans la louange aussi. Donc la louange communique ça. Euh, quelquefois la louange communique aussi l'amour. Mon épouse et moi, on a, on a une chanson. Hein? Puis lorsqu'on entend notre chanson d'amour... Peu importe où on est, on va se regarder. Ah, Puis il faut qu'on se touche, là, comme ça, là, OK? <laughs> comme il y, y a quelque chose de. Puis on veut que notre louange okay, communique quelque chose qui génère en nous un plus grand, une plus grande adoration, un plus grand amour envers Dieu. Et on veut que notre louange non seulement stimule, nous donne une information, stimule nos émotions, mais on croit que la louange nous pousse à l'action. À combien, lorsque tu entends Jésus, je te suivrai. Tu veux suivre Jésus? Ah, puis on le voit, on le voit même avec la musique. Mes parents, il y a plusieurs années, il y a une playlist, encore une fois, beaucoup, toujours toutes sortes de musiques qui jouent chez les Brassards, Et il y a une chanson d'Elvis. Va savoir, on ne s'est pas rendu compte de rien, on commence à danser. Des... Simplement une chanson qui, qui suscite l'action. Euh, qui ici, lorsque tu fais du ménage, tu mets de la musique? I will survive, I will. <laughs> Ah, au gym, hein, tu mets du cardio, tu mets de la. Ah. Quand tu reviens de travailler le vendredi soir et que tes jeunes sont à la jeunesse et que ton mari a préparé le souper et que la musique, c'est jazzy, saxophone, love, il veut te pousser à l'action. Et c'est très spirituel ce que je dis. On veut une louange qui nous pousse à l'action, à suivre Jésus. Est-ce que je peux entendre amen à ça? OK. On continue. Que la parole de Christ habite en vous avec sa richesse par des psaumes, des hymnes. Et les hymnes ici, dans le contexte, ce n'est pas comme nous, les hymnes comme Dieu Tout-Puissant, les vieux cantiques, les ailes de la foi. Les hymnes, c'était des compositions de, de chants, des dons, c'est-à-dire des chants. Non seulement les chrétiens, les premiers chrétiens chantaient les psaumes, mais ils chantaient aussi avec des compositions. Et on croit que la louange est aussi pratique. Qu'est-ce que je veux dire? Pour moi, un bon chant de louange est centré sur Jésus, mais est aussi pertinent à ton vécu. Je vais le redire. Un bon chant de louange est centré sur Jésus, mais Jésus n'est pas en notre tête. Il a un impact dans nos vies, dans notre vécu. Amen. Et je vais te révéler quelque chose. Une de mes prières en tant que pasteur dans notre louange, au-delà du culte, c'est de te donner des munitions spirituelles. Pourquoi? Pour qu'à un moment donné, lorsque tu as un appel, il y a une urgence, puis tu dois aller à l'hôpital puis qu'il y a un drame, que tu aies quelque chose à chanter dans la chambre d'hôpital. Le jour où tu as un accident puis que ta voiture virevolte, revolte, puis tu es pris dans ta voiture, la tête par en bas, j'espère qu'il y a un chant de louange qui va être dans ton cœur. Si un jour où on t'arrête pour ta foi, qu'est-ce que tu vas chanter en prison? Comprends ce que je veux dire? Alors que tu vis une catastrophe, alors qu'il y a une épreuve, alors que peut-être chacun d'entre nous, un jour, on va se retrouver sur notre lit de mort où on, on va. On, pour nous et pour d'autres, qu'est-ce qu'on va chanter? Donc, la louange chère à te donner des munitions pour non seulement que tu chantes ici, mais que tu apprennes des chants. Pour t'encourager, pour faire en sorte que dans, dans l'épreuve au quotidien, que toujours un champ de louange qui soit accessible dans ton cœur. Est-ce que quelqu'un peut te dire Amen à ça? Si un jour il y a un hold-up, tu es là, tu es pris, ou un, il y a une situation catastrophique, tu crains pour ta vie, qu'est-ce qui va y avoir dans ton cœur? Dieu, tu es grand, va t'amener beaucoup plus loin que I will survive. <laughs> Amen. <applause> J'ai déjà raconté. Euh, il y avait une dame, une, une nouvelle croyante, une dame âgée, puis qui a donné sa vie à Jésus. Et euh, elle avait entendu le pasteur prêcher sur un psaume. Un psaume que vous connaissez bien. Je vais le lire, le psaume 91, premier verset. Celui qui habite sous les bris du très haut repose à l'ombre du tout puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge, et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Et, et elle, ça l'avait marqué du fait que, que Dieu la couvrait. Euh, elle, elle était sous l'aile de Dieu. Puis un jour, quelqu'un est arrivé, elle était sur la rue, puis un jeune homme qui est arrivé, puis il a voulu prendre son sac à main, puis il a tiré, il a tiré, tu puis là, il y a eu un combat. Et la seule chose qui a jailli dans sa tête, puis elle a commencé à crier Je suis couverte des plumes de l'Éternel Lorsque l'épreuve arrive, c'est important que tu t'es préparé à l'épreuve, puis la meilleure manière de te préparer à l'épreuve, c'est de nourrir ta louange. Amen. Donc, nous croyons que la louange doit être pratique. Et je continue ce tout. On chantait trois types de chants dans l'Église primitive. Il y avait une louange. Encore une fois, la louange chantait les psaumes. Il y avait des compositions. Et la Bible dit que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Nous voulons porter que notre louange soit charismatique. Reste avec moi. Il y a des gens qui commencent à avoir des réactions. Qu'est-ce que je veux dire? J'emploie le mot dans son sens le plus pur, dans son sens biblique. Charissement, don de la grâce, c'est-à-dire spirituel. OK, je vais vraiment contextualiser. Ok, Au portail, on a, je dirais que grosso modo, là, je vulgarise, on a trois types de on a trois types de personnes. On a des gens qui viennent d'églises, qu'on va dire pentecôt, qui ont des racines, comme c'est pentecôtisantes. On en a d'autres qui viennent des églises, on va dire baptistes. Puis il y en a d'autres, tu as donné ta vie à Jésus, tu n'as aucune idée de quoi je parle présentement. Une des beautés du portail, c'est qu'on est un mélange d'un paquet d'affaires. Maintenant, je pense que dépendant de ton arrière-plan, tu as des forces et tu as des faiblesses. Vous savez, souvent, il y a des gens qui vont dire Nous sommes une église du Saint-Esprit. Alléluia. Puis tu en as d'autres qui vont dire Nous sommes une église de la parole. Au portail, on ne croit pas que tu es un ou l'autre, on croit que tu dois être les deux. Au portail, on croit que tu dois être les deux. Tu dois être une église de l'esprit et de la parole. Et c'est ce qu'on prie, c'est ce qu'on veut dans la louange, c'est ce qu'on expérimente dans la louange. Donc, pour des gens qui arrivent, peut-être qu'il y un background, okay, des gens qui arrivent de différentes églises, puis, puis dans, dans ton église, un moment de louange, c'est un. Il se passe pas mal d'affaires, même trop d'affaires. Ah, souvent, les gens disent Oui, mais la liberté du Saint-Esprit. Avez-vous remarqué que ceux qui parlent de la liberté du Saint-Esprit, en fait, ce qu'ils veulent dire, c'est la liberté des chrétiens de faire le power dans l'Église. Pas besoin de dire amène à ça, juste l'absorber. Euh, Paul, dans 1 Corinthiens 14, va mettre un cadre Nous croyons au portail que notre louange doit être conduite par le Saint-Esprit. Nous croyons à la vie de l'Esprit. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Mais de la même manière que j'aime beaucoup avoir un feu à la maison, j'aime bien qu'il soit cadré dans le foyer, parce qu'un feu qui n'est pas cadré dans le foyer, la maison brûle. Il y a des églises où il y a tellement le feu du Saint-Esprit qui brûle des gens qui ne veulent plus jamais rien savoir de Jésus. C'est pourquoi Paul va dire dans 1 Corinthiens 14 il va dire que lorsque le Saint-Esprit se manifeste, Dieu est un Dieu de paix et d'ordre. Nous croyons au portail, à une louange vivante, vibrante. Mais nous croyons encore une fois que le but de la louange, encore une fois, c'est toujours l'ordre et la paix et de glorifier Jésus. Est-ce que je pense, entendre en amène à ça? Et de oui. Et, et Paul, regardez, Paul est toujours conscient, hein, si des gens viennent à l'Église pour la première fois. Et de l'autre côté, parce que du monde, tu penses que je t'ai oublié. Non, 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 je t'ai pas oublié. Tu viens des type d'Église où la louange est comme... Ah hein, Où... Tu comme ça, puis quand tu ressens la présence de Dieu, tu décroises tes bras, puis c'est pas mal le maximum. Il ah, y a des églises où. Il y a des gens où ton expérience de louange, c'est Nous sommes joyeux et nous débordons de joie. Est-ce que je peux entendre un gloire à, Jésus gloire à Jésus? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Au portail, nous croyons encore une fois, nous sommes une église de la parole, mais nous croyons que dans la louange, alors que notre louange, elle est biblique, nous croyons que notre louange, elle est remplie du Saint-Esprit, la Bible dit pousser des cris de joie, acclamer le Seigneur, lever nos mains, nous croyons que notre louange doit être vivante. Et ça, ce n'est pas le plus intense, là j'arrive, je te prépare à quelque chose. La Bible dit... Chantez que dans votre louange, il y a des cantiques spirituels. C'est quoi ça? En fait, c'est une louange spontanée. C'est-à-dire, c'est quoi une louange spontanée? Il y a un mot, a un mot technique dans la Bible, c'est la psalmodie. C'est quoi? C'est le fait qu'à un moment donné, tu n'as pas de band, tu n'as pas de musique, mais tu es capable d'offrir ta louange personnelle à ton Dieu. Tu es capable de le dire. De... Oui, on peut. le temps deux d'offrir une louange personnelle à ton Dieu. Ça peut se faire en, en chantonnant, gloire à ton nom. Dieu. Peu importe, ça peut être juste, béni soit ton nom, d'être capable de le faire. Et vous savez, dans beaucoup d'églises, des fois, on le vit au portail. Okay? On, on, moi, je crois qu'on peut même s'améliorer dans notre louange. Est-ce que je peux entendre un autre en amène à ça? Une des choses qu'on voit, c'est que, vous savez, il y, y, y a le ben qui est là, le ben, le groupe de louange. Et des fois, lorsque le groupe arrête, notre louange arrête. Notre louange ne doit pas dépendre du groupe de musique en avant. Lorsque le louange, est le, vous savez le, le groupe, c'est des conducteurs de louange, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils sont là pour faciliter notre louange, mais le groupe ne remplace pas ta louange, et ma louange. Le groupe, c'est comme la petite roue sur quand tes enfants apprennent à faire du vélo. Tu as le vélo, tu as la petite roue là, pour donner de la stabilité. À un moment donné, tu t'enlèves la petite roue. Si ton enfant a 21 ans et a encore la petite roue, il y a un problème. C'est que tu n'as pas fait ton travail de parent. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux simplement dire que quelquefois, alors que la louange arrête, ce n'est pas parce que la musique arrête que le peuple de Dieu doit arrêter de louer son Dieu. On peut continuer de, toujours dans notre langage, de dire gloire à ton nom de, de réfléchir, de la proclamer. Tu vois, mais moi là, je suis un introverti, puis la Bible dit d'ouvrir ta bouche. Et quelquefois, même si tu veux amener ça à un autre niveau, même tu peux le chantonner. C'est ça, puis hein? c'est... La réalité, en fait, c'est que as l... de ton cœur doit y avoir une louange, et ta louange doit être variée. Et c'est dans ce sens-là, quand je dis charismatique, c'est-à-dire qu'il ne dépend pas toujours du groupe, c'est que nous pouvons louer Dieu là où nous sommes continuellement. Je peux t'entendre un autre Amen à ça. Et nous voulons... Ouais, on peut applaudir, on peut. On veut que notre louange soit aussi non seulement christocentrique, biblique, pratique, charismatique, mais qu'elle soit authentique. Chantez à Dieu de tout votre cœur. Ok, je pense qu'il y a trois défis, trois péchés ou trois obstacles à la louange du peuple de Dieu le dimanche matin l'orgueil, la distraction et <coughs> l'hypocrisie. <laughs> trois choses que tu dois être consacré. Quand la Bible dit :« Chantez à Dieu. » vraiment l'orgueil. Je me souviens lorsque j'ai commencé à suivre Jésus, Vous savez moi je suis quelqu'un de timide, j'ai pas l'air de ça, je suis quelqu'un très timide. Puis j'étais trop orgueilleux pour vraiment chanter de tout mon cœur parce que qu'est-ce que les gens vont dire autour de moi Tu sais, je voulais louer Dieu mais en étant cool. <laughs> si tu veux louer Dieu en étant cool, tu n'es pas à la bonne place. Okay? Puis souvent on est tellement conscient de ce que les gens autour de nous Hein, tu es là, puis tu ne veux pas avoir l'air comme... Puis la réalité, il faut juste se rappeler qu'on ne chante pas pour les autres, on chante à Dieu. Donc, souvent, il y a un orgueil. Ne laisse pas ton orgueil t'empêcher de louer Dieu, de chanter Dieu. Vous savez, la Bible dit chanter à Dieu. Vous savez, l'émission La Voix. Hein, des fois, il y a des gens, là, je les regarde, les chanteurs sont mauvais, sont mauvais. Mais en enfin, fait, ce que je pense de lui, ça ne le dérange pas parce que lui, son but, c'est que c'est de faire tourner la chaise. Ce que tu penses de moi dans la louange, ça ne me dérange pas parce que mon but, c'est Dieu. Je chante vers le trône de Dieu. Amen. Le deuxième défi, souvent, les chrétiens le dimanche matin, c'est chanter à Dieu de tout votre cœur. De tout. Souvent, c'est la distraction. Vous savez, à un moment donné, on, on part dans. on se met sur le pilote automatique. Les, les, les babines chantent, mais le cœur suit pas. Hein, c'est un peu comme dans les restaurants. Moi, moi je suis ob un observateur. Hein, je suis un observateur. J'observe toujours ce qui se passe autour de moi. Puis ça me fait toujours rire dans les restaurants lorsque c'est l'anniversaire de quelqu'un. Puis tu les serveurs les serveuses qui arrivent. Puis bonne affaire, ah, à toi, bonne Mais ils vont chanter, mais le cœur n'y est pas. <laughs> Vous avez remarqué? Ouais. Ça, ils sont comme fête. Ils font tellement, c'est leur job. La louange n'est pas notre job, c'est notre privilège d'enfant de Dieu. Donc, un des défis, des fois, c'est la distraction. On a toutes sortes de choses, on pense, ah, notre tête est pleine. Encore une fois, c'est un court moment de louange. Prions que Dieu nous donne la grâce d'être focus, d'être concentré pour ce moment qui est, qui est particulier. Puis la troisième chose, quelquefois, puis je m'associe à ça, des fois, c'est l'hypocrisie. Vous savez, des fois, on chante des choses qu'on ne croit pas. Là, tu me dis, pas moi, pas moi. OK. Oui, prends tout, Seigneur. Vraiment, là. Moi, souvent, c'est oui, prends tout, Seigneur, mais j'ai comme cette affaire que je ne veux pas trop qu'ils prennent. Vous savez, on se retrouve tous dans la louange à un moment donné où ça nous confronte à notre propre cœur, à la froideur de notre cœur, où il y a des choses qui sont là qui ne sont pas notre expérience. Puis ce que je dis. Tu dis, moi, je ne suis pas un hypocrite, donc je vais arrêter de chanter. Non. La solution, c'est pas d'arrêter de chanter. La solution, c'est de demander à Dieu de changer ton cœur. Chantez à Dieu de tout votre cœur. Wow, de tout votre cœur! Il continue en disant, sous l'inspiration de la grâce, mais littéralement en grec, dans la grâce. Chantez dans la grâce. On veut que notre louange soit évangélique, mais encore une fois. Comme pour charismatique, ce n'est pas l'étiquette qu'on emploie, c'est vraiment le sens premier. On veut que notre louange évangélise ceux qui viennent à l'église pour la première fois. Si tu savais... OK, je vais le dire autrement. Qui ici, une des choses qui t'a marqué la première fois que tu es rentré dans une église, c'est la louange? Je sais qu'il y en a qui vous êtes gentils. Non, moi, c'est le pasteur. Moi, c'est le pasteur. La louange. Hein, combien de gens qui me témoignent je suis rentré à l'Église pour la première fois, je ne connaissais rien de Jésus, puis j'ai pleuré tout le long. Il y a quelque chose comme. Pourquoi? L'action du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit agit comment? Lorsque nous chantons la bonne nouvelle de Jésus, il y a quelque chose qui se passe. Hein, C'est intéressant, regardez comment Paul, souvent de fois, va dire, okay, il va rappeler à l'Église Rappelez-vous, il y a des visiteurs, il y a des gens qui sont là, il y a des non-croyants parmi vous. Et notre louange, oui, elle s'adresse à Dieu, mais Dieu est tellement riche. Alors qu'on loue Dieu, ça a un impact sur les gens autour de nous. Ma vision du, du culte le dimanche matin pour moi, c'est un peu ce qu'on fait. C'est un peu comme un électrochoc sur le cœur, un cœur de quelqu'un qui, qui, qui est inconscient. Je ne crois pas que notre province est en bonne santé spirituelle. Je ne crois pas que notre pays est en bonne santé spirituelle. Je crois que notre pays est malade. Mais la Bible dit que ceux qui si ont prié Dieu, Dieu entend et Dieu va guérir notre pays. Il peut guérir notre pays. Merci pour les trois personnes, pour les autres. Donc, je crois que quelque chose qui nous dépasse alors que nous sommes là, que nous prions, que nous chantons, je crois que ça a un impact aussi autour de nous. Il y a des choses qu'on ne voit pas, mais il y a des prières qui sont faites dans ce lieu qui changent des choses à l'extérieur. Et de l'autre côté, rappelons-nous, okay, parce que souvent, quelquefois, les chrétiens, on, on peut devenir blasé. Tu, on arrive et on voit comme, oh, « OK, mais ce n'est pas ma toune préférée, celle-là. <laughs> » tu sais, Moi aussi, des fois, je vais, vais t'avouer quelque chose, c'est pas tous mes chants préférés. Ce n'est pas le palmarès de Pasteur Guétin. Des fois, ce n'est pas mon chant préféré, mais Jésus demeure toujours mon Dieu préféré. Puis, ça veut dire quoi aussi? Pourquoi ça a un impact pour des gens qui nous visitent? Hein? Surtout en église comme le portail, il y a beaucoup de visiteurs. Merci Seigneur, c'est ton cas, merci d'être là. Dis-toi que des gens qui rentrent pour la première fois et regardent attentivement, alors qu'on dit que souvent les religieux, c'est des hypocrites. OK? Tu te fais évaluer. Il y a des gens qui nous évaluent. Est-ce que nous sommes sincères? Est-ce qu'on croit vraiment ce qu'on chante? Vous savez, des fois, on dit Seigneur, on chante que t es, t es, combien tu es merveilleux, mais combien tu es merveilleux! <laughs> on communique quelque chose. C'est comme si, je, parle, je reprends l'électrochoc, tu arrives à l'hôpital, OK? Puis là, à un moment donné, tu vois quelqu'un qui est là, la personne dit Vite, 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 OK, il faut, faut le réanimer, il faut le réanimer. Puis tu vois tous les infirmiers et les médecins qui sont comme « ben Attends, je vais aller prendre mon café avant. » <laughs> Puis tu sais, Tout le monde est nonchalant. Tu vas dire « Mais, mais ils ne sont pas à bonne place. Ils ne croient pas. Ils ne croient pas qu'il y a une urgence. » Lorsque nous sommes réunis, nous croyons qu'il y a une urgence. Nous croyons à la Seigneurie de Jésus. On ne veut pas jamais diluer ça. Nous sommes convaincus et convaincants. Nous sommes convaincus et convaincants. Et finalement… À la lumière de ce texte, la louange que nous voulons porter, nous voulons une louange christocentrique, une louange biblique, pratique, charismatique, authentique, évangélique. Et nous voulons une louange. Et là, le mot. Je sais que le mot ne sera pas très excitant, mais une vérité excitante. Nous voulons une louange congrégationaliste. Tu sais, des fois, tu peux essayer de trouver des mots puis de mettre du crémage. Des fois, de dire le mot simplement, c'est plus puissant. Regardez, comment commence ce texte? Alors qu'on parle de louange, ça commence comment? Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse. Est-ce que tu l'as dans ta Bible? Ça dit, instruisez-vous. OK, comment? Par des sons, par des hymnes. Le texte dit, instruisez-vous par la louange. Et ça, c'est une révolution pour beaucoup de chrétiens modernes parce que nous voyons la louange comme quelque chose de très très, très, très vertical. Hein, nous voyons la louange exclusivement comme je ferme mes yeux, je chante à Dieu. Alors que la parole de Dieu dit qu'il y a des moments dans la louange où tu fermes tes yeux, tu chantes à Dieu, puis il y a des moments où tu rouvres tes yeux et tu chantes aux autres. Dites pas Amen, je comprends que ça prend de la foi pour croire ça. Mais ça dit Instruisez-vous, avertissez-vous par la louange. Exemple. C'est produit quelque chose que tu as probablement oublié. Ça commençait par pan et ça finissait par demi, OK? Pardonne-moi de ramener ça, mais ça va illustrer mon propos. Dans la pandémie, alors qu'on suivait, on avait les réunions en ligne, la prédication, c'est pas si pire. On est d'accord, tu suis la prédication, même. OK. Sommes-nous d'accord que la louange était beaucoup plus pénible en ligne? Pourquoi? Si c'était seulement la louange, si Dieu avait créé la louange seulement, pour nous et lui fermer nos yeux, puis non, parce qu'une dimension collective à la louange. La pandémie nous a révélé qu'une dimension la louange, elle est tellement riche, elle est premièrement dirigée vers Dieu, comprends-moi bien, mais elle communique quelque chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous sommes réunis et que tu vois la maman monoparentale qui est débordée, mais qui malgré tout lève ses mains et se confie en Jésus, ça t'enseigne quelque chose. Lorsque nous sommes réunis, puis tu vois l'entrepreneur qui travaille 70 heures par semaine, mais qui prend du temps dans son horaire pour être là le dimanche matin pour dire à sa famille, Jésus est premier dans la semaine, ça t'enseigne, puis ça m'enseigne quelque chose. Amen. Lorsque, comme ce matin, je vois la préposée au bénéficiaire qui n'a pas dormi de la nuit, qui a fait son shift, puis qui est là ce matin, puis de tout son cœur célèbre Jésus, ça m'enseigne quelque chose. Lorsqu'on regarde tout autour, puis on voit des couples. Des fois, tu as des amis, même tu as des gens, les couples, c'est difficile, il y a des couples qui sont en difficulté, mais que les deux sont là encore en disant Jésus, tu es notre espoir. Ça t'enseigne quelque chose. Hein, quand je vois la, la soeur veuve qui a perdu son mari, puis qui était avec son mari à l'église pendant ici, pendant 20, 30, 40 ans, lui est parti, mais elle reste parce que Jésus est encore là fidèle pour elle. Ça nous enseigne quelque chose. Lorsqu'on est dans la louange, puis je vois la, la célibataire de 35 ans qui est là, puis qui Mon identité n'est pas, dé, pas définie par mon statut civil, mais par l'œuvre de Jésus. » Et les fidèles, ça nous dit quelque chose. Lorsque je vois le jeune qui, à l'université, de toutes sortes de choses, d'idéologies qui circulent, qui, qui, sa foi est ébranlée, mais qui le dimanche est là, puis lève ses mains, puis se confie en Jésus, ça nous parle. Quand on voit des gens qui vivent des deuils, qui sont là... Des frères et des sœurs, des Marocains, Marocaines, alors qu'il y a eu un tremblement de terre, tu es ici, tu es plein d'inquiétude, mais tu es là et tu loues ton Dieu quand même. Merci, ça nous communique quelque chose. Tu nous enseignes ce matin. Et je pourrais continuer, 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 plein d'exemples, de voir quand je vois des gens qui se sont éloignés du Seigneur et qui reviennent, de voir qu'ils sont là et qu'ils reviennent à Jésus, quel courage que ça prend! Tu nous inspires, tu nous communiques quelque chose. Donc, quand je regarde, tu regardes autour. Quelquefois, dans la louange, je vais dire quelque chose que peu de pasteurs te disent. Quelquefois, là, ouvre tes yeux regarde autour de toi. Quand tu vas voir l'immigrant, que toute sa famille a été dissimée en Afrique, mais qui est ici à déclarer combien Dieu est encore fidèle dans sa vie, on a des choses à apprendre. Et quand on ouvre nos yeux, on voit la diversité du corps de Christ, on voit des jeunes, des moins jeunes, on voit des gens de toutes les couleurs, et on dit merci Jésus pour la bonne nouvelle. Ça, c'est le miracle de la grâce. Donc, ce matin, qu'est-ce que je veux dire? Lorsque tu viens à l'église, tu prêches. Tu prêches. Puis dimanche prochain, tu prêches encore. Tu penses que je suis seul prédicateur? Non. Il y a 1200 prédicateurs ce matin à Laval. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu prêches bien. Donc, n'oublions pas que la louange a ses deux dimensions. Et alors que l'équipe de louange vient me rejoindre, donc c'est la louange que nous voulons au portail. Est-ce que je peux entendre un dernier amen? C'est la parole de Dieu pour ce matin.